kam patante yo. Mi ka repon mwen. Mi ka mwen sonje yo. Mi kam pa kompran. Mi ka repon mwen. Pa vle mon sa. Pa vle mon sa, baby. Mwen vle wan antye. Pa vle mon sa. Pa vle mon sa. Pa vle mon sa. Nous tout connaissons mois d'octobre blanc fait Mika Ben 2 ans depuis lui même l'état qui était ça. Et bien là nous avons madame Mika Ben et bien qui t'a parlé nous Marie et bien guys après tu fin chanter tu chanter ça en pile monde t'a pris le jouer en pile monde tout t'a pris le comprendre et sensation perdit Marie. Et bien guys nous connaissons famille Mika Ben tout t'es prend la parole et bien t'a pris le faire connaître avant Mika Ben mourir mais qui ça qui t'est passé en tous les cas nous pral qui t'attendait grand pile bagaille qui dit pas hésiter ba vidéo son like abonner partager vidéo ça. On a recevoir la famille Benjamin. Avant tout, je vais raconter une petite histoire. Le 15 octobre 2022, je voyageais, allé dans un concert Karimi. Un concert qui renvoyait au moins 2 fois à 3 fois pendant l'époque Covid. Là. Et c'est comme ça, je suis dans une salle VIP, dans le 3e étage, avec plus de 12 personnes, parmi lesquelles Dr Jean-Michel, Anne-Louise de France et Fafon Thibaut de Tabou Combo, un paquet d'autres amis. N'a tande Karimi k'ap joué pendant que n'a boit champagne et n'a mangé dans salle VIP. Subitement, nous recevons une visite et visite là à travers sim, m'a raconté nous ça yo dim. Visite là, on remarqué que gon un monde qui paraît dans salle là que l'autre monde pas ouais. Moi m'a demandé identifier, l'aime bal explication sur monsieur tête cassée. Moi m'a demandé qui monde qui dans salle là, qui te gon monde dans famille qui gon tête cassée. Et c'est comme ça, Anne-Louise dit nous que les gon cousins qui font accident tête cassée. Pendant ce temps, tout on a pris, yo pensé ces blagues m'a fait et puis verre champagne yo commencé éclater. Et c'est là toute attention virée encore et me dit yo, on nous font petit contrôle qui est-ce qui dans salle là. C'est là ça yo dit que moi camper, moi fait porte là et me demander tout ça qui pas supposé là sorti. Et comme ça on commencé contrôler, mais tout on a regardé, c'est là ça yo réalisé que ça moi a et pas li yo ouais. Moi connais que moun nan sorti, me demander le sale vienne chercher là, li dit nous, li vienne chercher Mika. Je ne peux pas comprendre, je pose une question, qui ça l'esprit dit, je réponds, il vient chercher Mika. Je ne pas comprendre ce qui passe là. Fonfon sous choc, docteur Joseph sous choc, le Mounia Abgadem, je ne connais pas vraiment, je vais vous raconter ce qui passe. Et c'est comme ça, nous entendons Princesse Love monter sous scène, et quelques minutes après, nous tous connaissons Mika traversé. Et c'est comme ça que nous commençons l'émission, je dis, bonjour Monsieur Benjamin. Bonjour Eglin. Bonjour Mélodie. Bonjour Eglin. Bonjour Roselyne. Bonjour Eglin. Bonjour Tidio. Bonjour Eglin. M'a dit nous merci que nous recevons la caille nous. Son honneur, son plaisir. Les femmes bien là depuis plus que 15 16 ans. Depuis nous Mika, ça me dit pas jamais bien là. Son merci que nous recevons là. Émission aujourd'hui à parler surtout de parcours Mika comme ça développé parce que en pile monde connaît déjà comme artiste. Mais en pile monde pas connaît que à travers lui même qui est artiste, c'était un autre travail à faire que c'est ce travail ça que nous parler aujourd'hui en écouter Tidio commencer. Et un an plus tard avant d'aller dans le détail, ou décider de faire un événement pour commémorer Mika au Cap. Pourquoi parler de plus de ça, s'il te plaît, pour qui ça événement ça et pour qui ça au Cap première année? Ok, alors, et bon, événement, pour qui ça événement, c'est parce que, bon, premièrement, Mika, c'est un légende bon, nationale et même, on peut dire, internationale. Et il était important pour nous-mêmes, dans la famille, pour nous-mêmes en tant que Haïtiens, pour que nous marquions la première année de départ, monsieur, par rapport à toute contribution qu'il fait dans la culture. Et la raison que nous avons fait au Cap, alors au Cap c'est une ville que Mika était préférée dans Haïti. Et pour le principe de Cap, nous avons un événement comme ça, donc nous avons dit ok d'accord, nous avons fait le premier événement au Cap. Et au Cap a permis nous de faire vraiment une expérience qui est extraordinaire, surtout avec les artistes qui étaient répondus présents. Nous avons eu plus de 25 artistes qui ont performé la musique Mika. Donc nous avons profité de faire une commémoration de œuvres musicales, mais aussi ce que nous avons fait avec Artisio, c'est que là, nous avons visualisé l'événement, c'est que et nous avons voulu que c'est Mika qui a pour recevoir 100 000, pas vrai, pour venir faire un week-end au Cap. Et c'est comme ça que nous avons fait. Ah, c'est comme si, c'est ça. C'est d'accord, c'est ça que Mika a voulu que nous avons fait. Donc nous allons dans la citadelle, nous allons dans la main, nous allons à Cadras.
nous étions dans l'hôtel Roi Christophe, l'hôtel Satama, et Montjoli, tout l'hôtel ça c'est l'hôtel que Mika a terrain main et nous mangeons au cap dans la caille bon restaurant dans différents côtés et nous t'ai réussi au free public là, alors public capois parce que nous t'ai fait un concert gratuit sous place cathédrale là, pas vrai? Et en même temps tout nous te permet bon le monde entier capable visualiser choix parce que nous grâce à la technologie nous t'ai réussi à retransmettre li et sur alors non seulement sur internet mais nous t'ai gagné par exemple en communauté Martinique qui t'ai mettons écran sur son place publique qui t'ai que nous t'ai permet de faire ça il y a des monde qui connaît qui t'ai fait des rassemblements un peu partout aux États-Unis Canada côté que t'ai vraiment rassemblé dans nos mica pour commémorer puis pour songer toute ça que monsieur t'ai porté pour nous bon d'un point de vue musical de message lio mais surtout tout pour monde tel que t'ai représenté et moi j'aimerais dire et pour haïtien que t'ai représenté parce que pour moi même Mika c'est un modèle de haïtien que moi t'ai aimé ouais plus autour de moi ça veut dire de monde qui intègre de monde qui aimait pays de monde qui voulait qui toujours chercher en façon pour et aller vers l'avant. Et monsieur c'est un monde qui était imprégné tête de emblème nous qui c'est lui nous fait la force parce que la plupart de projets lio monsieur était toujours aimé faire collaboration monsieur c'est un monde qui pas un problème travailler quel que soit monde là pas vrai et que ce soit musique que ce soit dans œuvre caritative yo et depuis que moi était on soit on orphelinat ou bien on organisation qui était relé nous pour support li ça dit présence li performance nous était toujours répondre présent parce que nous connaît que et bon Dieu ben nous opportunité pour que nous dans position ça Mika de part de talent li bon moi même du fait que moi était là pour m'accompagner sur li donc il était toujours important pour nous pour que nous remettre ça dit pour que nous bail ça dit que c'est aller l'un était capable et bail en support financier et que Mika était allé puis qu'on a lui même bail prestation li comme support comme petit souffle genre que fondation nous vient devenu et donc c'est ça c'est première année a été très bien passé et nous fait vraiment un superbe show et plus près de 2 heures de temps de performance et ça qui était intéressant dans le show c'est que nous avons gagné plusieurs différents monde sur stage différents monde qui a interprété musique là on exemple tu gagné Atros avec Isolant qui était on stage en même temps alors que c'était deux monde que peut-être jamais mettre ensemble yeah et nous avons gagné Michael Guirin avec Richard Cave. Est-ce que donc nous t'es vraiment prenez joue ça. C'est comme si que c'était l'amour. Ça veut dire que c'était l'amour 100%. Ça le supposé. Ça le supposé. C'était l'amour, pas de gain bif, pas de gain à un tel lac. Non, ça pas existé. Mais avant tout, nous pas nous parler. Ouais. C'est à cause de l'amour Mika, nous venons parler. Yep, yep, absolument. Sur ça. Absolument, oui. Et on va qui porte pas d'événement ça. C'est que nous avons tissu à planter pied bois. Oui, ça c'était une initiative que nous avons avec la Fondation, côté que nous avons en support de Switch Haïti, qui a en plantation et limonade, côté que nous avons des plantules et nous allons nous planter. Et au fait, c'est un projet que nous avons continué, que nous devons retourner l'autre bois pour nous. Ouais, parce que planter pied bois, c'est une, et maintenir pour que les grandissent, pour que les bousillent tout le temps, sont l'autre bagage. Donc c'est un projet que tu souviens yo à travers Mika parce que c'est son bagage et Mika mon musique que il fait avec Christophe Laroche Freedom qui t'a de sorti bientôt qui relait planté justement donc c'est des bagages qui naturel pour nous et c'est des exemples que nous voulons by société pour que et bon premièrement pas couper pied pas vrai parce que c'est une bagarre qui est important mais comment pour bailler ou dit mon pas couper pied bois pas balle l'autre option si c'est ça seul moyen pour vivre ou dit pas couper pied bois mais qui ça me va faire pour vivre oui alors bon, ça c'est ça gagne l'autre option gagne l'autre option gagne gaz gagne l'autre option solaire pas vrai pour là c'est espérer que vous entreprendre pour que vous capable mettre à la portée de la grande population pour que vous capable joindre option ça la privé parce que mi capable mourir en fait il traverser pour ca aider évolution c'est comme ça n'a traversé de sans se dire à Tissouf parce que nous connaissons maman qui tête pour tomber tout Tissouf expliquez-moi un peu comment nous venons créer Tissouf ou t'as raconté tout à l'heure ou conversation t'ai fait avec avant l'aller dernière conversation t'ai fait avec comment qu'il était fâché de Jean-Pierre parlez-moi un peu de ça oui alors conversation ça c'est
après création de Tissouf. Ok, parfait. Alors, je vais vous dire... Comment se met Tissouf? Comment se met Tissouf? Alors là, c'est une mélodie avec... Bon, alors, ok. Alors, comment se met Tissouf, c'est 2010, tremblement de terre. Et nous sentons nous impuissants parce que nous, par contre, ça peut faire, nous pas... Nous dans le domaine de la musique, so, nous disons comme si ça que nous faire, nous tendons que y a plusieurs organisations qui viennent, ça qui peut manger, ça qui peut ça qui nous retirer des blés, etc. Et dit pas la musique comme si c'est, et moi tu viens attendre tout que comme si que gagne manger qui t'a commencé à gaspiller, etc. Me dit que nous pas capable aller dans la direction que tout on a fait parce que il pas bail résultat. Donc qui ça que nous-mêmes nous capable porter, pas vrai, qui aussi important que manger quoi que ce soit. Et nous disons que nous capotons musique, nous capotons tête, nous sommes capables vraiment aller puis bail nous un moment de distraction pour que capable oublier justement pendant un moment ça que tu as un problème, que tu perds du monde dans la famille, que tu perds du ami, etc. Et puis ça montre que quand ça une situation arrive et ça soit supposé un modèle pour nous cap garder, des fois nous pensons besoin de plan ou projet et puis une situation tellement dans un pays qui a des milliers de situations, comment que deux jeunes, deux monde qui chita et puis nous créons bagay et puis jodi a Tissouf a sauvé la vie des milliers de monde. N'a parlé de pays, il n'y a pas grand pour faire. En plus, nous avons regardé aujourd'hui pour voir que comment on a créé un projet qui a changé la vie. Et je me suis dit, Mika, dis-nous plus de qui Tissouf fait. Parce que nous, nous ne connaissons pas. Nous avons dit, Tissouf, et qui Tissouf a fait dans le pays. De Tissouf, nous avons dit, qui a créé pour le 12 janvier, qui va juste créer lui aller. Qui a créé, qui était toujours jusqu'à présent, qui travaille. Dis-nous. Alors, Tissouf, c'est une fondation que ces trois timons, Lionel, Michael et Mélodie qui étaient fondés, qui étaient créés. Et l'histoire moi avec Tissouf, c'est comme toujours accompagner le programme que Timon m'a fait, mais c'est ça qui parle de Tissouf, le grand essor avec le programme que nous avons créé les 6 mai l'amour récolter la paix. C'est une conversation que nous avons gagné avec Mika le 6 septembre 2022. J'étais là avec moi dans le salon ça et puis il dit maman oh, Mika triste, Mika en colère, Mika dit, me fais faire bagaille, nous c'est des lâches, fais prendre la oui. Dit Mika, parce que bah, on est sous tes comptes Mika ou comptes Mika, alors t'as parlé, faut t'exprimer. Et puis moi, dit Mika, cette date, n'a pas prendre la oui, ça pas fait rien. Dit, viens, jeune maman, viens aider dans l'éducation pour la paix que m'a fait en Haïti, que m'a fait depuis près de 10 ans. En Haïti. Et une façon que nous sommes capables de supporter la Fondation Tissouf, c'est faire un don. Il y a différentes façons pour nous faire don. Nous sommes capables de faire don par Zelle via Tissouf à commercial tissouf.org. Nous sommes capables de visiter le site web Tissouf qui est tissouf.org. Nous sommes capables de faire don et si nous avons une carte de crédit, nous sommes capables de faire don à travers un système secure sur le site internet. Nous sommes capables de faire don tout à travers le compte Fondation Gagné sous Unibank. Et nous sommes capables de faire don à travers mon cash et sous écran tout n'importe qui je suis capable de faire don à travers mon cash. Et pour concert là, admission c'est en participation qui peut aller pour fondation qui c'est $15 ou 2000 gouttes et tout fonds que nous avons pour participer dans le choix par jouer une fondation. Nous invitons les gens qui sont capables de pratiquer à $15 ou encore ils sont capables de pratiquer à $15 plus faire un don à la fondation. La première c'est nous pour être capables de continuer 6 000 l'amour et récolter la peine payée. Nous avons tout fait appel ça tout pour toute compagnie en Haïti. Nous connaissons que les choses difficiles, mais ce moment tout pour nous continuer à s'y mettre à la paix, pour nous partager ce moment ça avec employés nous. Contactez Lionel si vous êtes ticket pour employés qui apprennent le spectacle ça. C'est pas un spectacle seulement pour danser, c'est un spectacle pour changer la vie nous. Oui, idem, chanter, chanter ça. Monsieur Lionel Benjamin, nous avons fait une émission déjà sur c'est l'heure. Nous avons parlé en pile de Lionel Benjamin Père, le Père Noël d'Haïti, parce que tout le monde connaît Lionel Benjamin Père. Même personnellement, je suis dans la même école avec Mika, avec Lionel, même dans Lionel Benjamin, c'est Papa Noël haïtien. Nous parlons en pile de histoire Lionel et comment Lionel était élevé petit. Yo, mal, bio, tu as expliqué nous que le mélodie de l'école, il était dit Papa, c'est diable. Et comment tu balances l'éducation petit qui est dans l'école chrétienne et ou même qui comment tu plus ou moins balancer éducation spiritualité ti moun yo plus ou moins. Bon, faut me dire que réunion mon avec moi dans éducation ti moun yo. Qui sont c'est pas pour tout mitan encore, on pas comme ça m'a dit vraiment parce que les soutiens pile de mon pile et l'éducation ti moun yo de mon pile parce que moi même les gens que nous élever ti moun yo ça pense ça être élevé. Parce que j'ai levé ma fouette, j'ai levé calé moi, avec feuille, fouette, tamarin. Je mets pantalon long sur moi des fois parce que j'ai levé blessé.
Donc, moi, je me sorti pour me. Pour bouler les lumières rouges. Avec Simon, il dit non, pas vraiment ça, non. Bon, nous ne pouvons pas lever sur Simon. Nous ne pouvons pas lever avec fouette ni pour punition parce qu'il n'y a pas besoin de ça. Et nous levons Simon avec les mêmes valeurs vraiment. Merci, papa. C'est extraordinaire que l'honnêteté, l'intégrité, de quoi dans la tête, de, parce que moi-même, je suis tout loin. Je suis tout loin en pile. C'est peut-être ça qu'on y a, bon, comme on livre que les. La révolution mentale, la révolution finale, comprendre qui gens sont capables de changer la vie ou si vous changez seulement la façon de penser. Ou. Et si vous avez un gars dans tout le pays, dans toute école, pour jeunes ou l'île, pour comprendre que l'homme dit révolution, ce n'est pas révolution avec ZAM, mais c'est révolution avec les gens pensés. Donc son bataille qui a fait la mettre en deux oreilles. Donc il faut changer la façon de penser. Et où faut changer la façon de penser. C'est-à-dire que vous n'avez pas qu'à croire que penser son bail qui est fort. Vous n'avez pas qu'à croire que penser son bail qui est puissant, son entité qui. Il n'a plus le pouvoir. Donc nous-mêmes, nous n'avons plus le pouvoir parce que nous avons changé tête, nous. Parce que c'est pour ça que nous faire changer tête, nous. Et puis après ça, nous avons aidé l'autre monde à changer. Mais tout le monde a peut-être été changé. Eh bien, c'est comme ça que nous avons commencé. C'est peut-être ça, madame, que nous avons programmé ça. Avec ce moment-là, nous avons programmé ça. Semer l'amour, récolter la paix. Parce que lorsque semer l'amour, vous récoltez la paix. Même moi, je disais que je suis un peu mais que les gens font ça, il y a la paix en Haïti. Il dit la paix, l'amour, nous demandons pour l'humanité, l'amour, la paix. C'est ça que nous voulons pour Haïti. Donc, reste ça, c'est de l'histoire, parce que j'ai fini déjà, et vous connaissez mon complice, c'est Fabrice Souzier, qui me fait faire dernière musique pour moi avec lui d'ailleurs tout, qui finit à Nissa déjà. Et nous allons sortir bah, ça, prochainement. Et puis bon, après ça, si mon noyau, prophète, Mélodie, il n'y a pas dans la musique, tout, c'est Donnel, parce que Donnel, son jour, il dit maman, monte le danser. Maman, monte le danser, et puis monsieur. Monsieur Musique, si nous sommes avec la musique, le soir pendant le carnaval, il est toujours à terre. Il est dans le carnaval. Le carnaval, c'est à atelier. Atelier. Mika, il est même son doctor. Mika, tu as tellement aimé la musique que Léo était l'école Canada. Il qu'on a pu serrer les mon téléphone, pas de cajon, parce que Mika a mis ton bonne musique sur le répondeur téléphonant. Moi, j'ai dit, monsieur, écoute, à ton bar qui est enregistré, bloqué téléphonant. On va monsieur bloqué, avec le bar après tout le temps, monsieur. Musique, c'était non mais. Yeah. Parce que la première mission, Lionel, tu as vu le bouquet la première fois, c'était artiste. Non? Et puis le Mika a venu en dernier, il a changé de mission pour protéger Mika. On continue la conversation. Ah. C'est ça, Félix. Très bien. Tillion, mission, c'était toujours accompagner Mika pour lui ici. Il mettait Tillion comme protecteur. Exactement. Parce que l'autre monde n'a pas capable de gérer Tillion. On va raconter rapidement. Il était loin avec Mika. Mika, il vivait l'immigration, le passeport. Je suis là. Parce que Mika patap Mika, c'est pas de Lionel. Donc, tout le monde doit attendre ça. Mika oui, patap Mika, Mika c'est pas de Lionel. Absolument. Yeah. Il protégeait monsieur, comme il disait là, parce que Mika, c'était un. J'ai jamais dépensé. Même si, par exemple, il invite au restaurant, et puis quoi, va passer, mais Lionel lui-même a dit Mika, hey, il faut camper maintenant, parce que. Monsieur, monsieur, demi camper. Il était venu pour ça, il était tout dit ça, que ses missions, c'est des frères réussis. Et je pensais que. Il fait mission, il réussit mission. Et Mika, si on a regardé, Mika arrive au moment où l'émission est finie. Je crois qu'elle allait. Ou accepter ça, Lionel? Oui, l'accepter. Toute famille, l'accepter. Il regarde les émissions et puis là, pour aller, aller, aller. Ou dit, dans la dernière chose que nous faisons, ou remercier grand-mère, la univers, pour le nombre d'années que vous avez. Le privilège que vous avez, non, pour nous élever, monsieur, formel. Son privilège. Ah oui, que vous choisissez, moi-même, avec moi. Parce que vous connaissez. Même je vous dis bah, que peut-être qu'on est déjà, nous choisis pas nous. Tout le monde qui a venu là, nous choisis pas nous. Donc Mika, tout le monde sait, tout est choisi moi-même avec. Bah, quoi, ta cousine par hasard. Ça, tu dois faire. Parce que moi-même, cousine, t'es envie d'aller le passé, t'es de retourner pour te faire une mission, ça qu'on y a. C'est possible. Non, c'est confirmé. Continue. Ah, ben d'accord. Donc, c'est ça qu'on a fait qu'on y a. Et je suis fier de tout le monde. Et Mika, je ne sais pas si je joue Mika à Léa, quand j'étais là. Gagné un. Il y a une émission qui est sur les réseaux sociaux, qui est les lettres motives. Monsieur Dzumbaga, il me dit, waouh,
Je me suis dit, jour Mika mourir, c'est jour sa nouvelle Haïti a commencé. Haïti avec Y là. Parce que ancien Haïti a. C'est ça lié. Il y a plus de monde qui parle de ça, nous ne pouvons pas parler de ça. Bon, nous ne pouvons pas parler de ça. Parce que puis nous ne comprendre que Haïti commence petit bébé avec A, Y, I, T, I. Après ça, il va mettre le francisé, il va dire H, A, I, T, I. Mais quand il y a Haïti, il y a H, Y, A, Y, T, I, original là. Original parce que son nom qui est une vibration là-dedans. Extraordinaire. Nous ne pas réaliser l'être qui a changé, que l'autre énergie qui a monté là. Absolument. Donc, bon, je dis ça là comme ça. Non, nous ne comprenons pas. Nous ne pas même genre avec avant, Lionel, comme ça. Bon, ok. Avec toute émission, tu as commencé à faire déjà, ou même, travail que l'autre monde a fait, et puis qu'on y a avec éveil spirituel, tout bien, c'est mon 2023, ou pas mon 2024. Yo. Et je dis à mon 2024, yo, même le pas sûr, yo connaît que fuck yo aligné avec l'énergie qui va venir. Oui, mais on va pas capable de constater tout, Eugline, c'est que tu es capable de dire que dans 2024, c'est l'heure du verso, ils ont l'autre énergie qui a géré le monde là qu'on y a là, qui a fait, qui peut être un pile bouleversement, un pile bagarre dans le monde là, mais c'est pas sûr. La gourmet avec l'air du poisson qui peut le faire ôter, la pousser l'aller pour lui-même l'y replacer. Mais pour le point placer, il y a un prix de bouleversement fait. Mais il faut adapter dans ça. Et son autre énergie, et c'est l'énergie de la femme. C'est l'énergie de l'amour. Couvlez-vous-pavlez. Couvlez-vous-pavlez. Pas qu'à gourmet avec ça. Non, pas moi. Président qui peut être président Mexique, c'est pas un hasard. Bon. Le président femme qui va venir, c'est pas un hasard. So... Nous parlons pas de bagaille. Et il faut ne pas répondre pour ça, il faut adapter nous parce que. Que nous avons un flot d'énergie, ça a venu la traverser terre à tout. Même terre à tout a ascensionné. Ce n'est pas nous-mêmes seulement. C'est peut-être ça tout, mon programme qui a créé les respectivement la terre, parce que terre, ce n'est pas un objet. Il faut que nous avons un peu comprendre que terre, c'est une entité vivante, que dit tout. C'est une mère, c'est son matrice. C'est libre de manger, les protéger, les de grandir. D'abord, il faut recevoir la caille, et puis libre de tout son besoin pour grandir, pour avancer. Donc, bah, c'est pour expliquer mon nom, pour un petit temps, parce que ce n'est pas des gens qui disent, c'est des gens qui disent, cachez nous pas de connaître, dans l'éducation, tu ne vas jamais parler de bah, ça. Il n'y a aucun bah, c'est loin de nous qui fait que nous, c'est le monde qui connaît, nous, qu'on sait découvrir. Et puis, d'abord, en plus de ça, tout l'air du verso, c'est l'air de la vérité, c'est l'air de la justice, c'est peut-être ça. Les masses vont tomber, les masses doivent tomber. Absolument. Et les masses sont tombées déjà. Absolument. Non, plus bagarre. La dernière ça a un paquet de missions monde qui a parlé qui a besoin paquet de bagaille et sous mon petit temps pour réfléchir pour regarder vraiment pour le sentir que on l'autre air on l'autre bagaille dans l'air pas connait monde là on l'autre monde a déjà changé partout hein, en Haïti seulement regarde pour vraiment qui a passé dans le monde soit regarde aux États-Unis ou regarder en Ukraine ou prendre au bon côté bagaille pas fait même chose encore et me t'ai tout dit ça en pile bagaille qui t'a fait d'une certaine façon en 2023 pas qu'a fait même genre en 2024 dans le monde entier chaque matin posté. Nous pas vivre même situation hein, mais nous pas qu'à agir et réagir même genre. Il y a des gens qui disent pour qu'ils soient dit samedi. Guys, il y a des films qui passent devant nous, d'après ces mêmes films là, c'est vouloir ou vouloir nous changer genre agir et réagir. Et pas penser que réaction nous suppose un gros bagaille, il va changer juste bonjour nous, juste saluer moun et éviter. Et puis moun pense que c'est des gros bagailles, c'est petit bagaille. Voilà, bon, bien quand on dit ça parce que ou dit l'année dernière Ugline, la parole crée. Oui, absolument. Dans chambre, oui, très bien, la parole crée. Bon, il dit ça tout. Hein. Ou dit ça. Il dit le verbe c'est fait cher. Sous temps de ça, on ne peut pas comprendre, peut-être qu'il faut un temps pour comprendre. Monsieur le gouverneur, nous dit ça, on a écrit bien autant d'elle. La parole crée donc parole. D'abord, il y a trois bagues, c'est même bas là. La parole, l'écrit et la pensée. C'est même bas, oui. Dis ça moi encore, s'il te plaît, parce que faut que nous t'en départions ça. La pensée, la parole et son écrit, c'est même bas là, exactement. Parce que tout bas, sont en vibration là-dedans, les vibrations sont capables d'affecter ou non. Ça dépend de qui je veux recevoir. Sous ouvert porte là, il y a un petit sou. Sous ouvert porte, il y a un petit sou. Et il y en a un pour ouvert porte, c'est sous peu. Il faut retirer la peur de la caillou. Il faut comprendre ça parce que le monde a ses alliés. Le monde est vibration. Toute bagaille a vibré. Toute bagaille. Pas rien qui est statique. Le mouvement, la vie, l'énergie, toutes ces mêmes bagailles. Et son gain d'énergie est gain qui est multiforme. Les différentes formes, pieds bois, c'est énergie, c'est être vivant lié parce que nous toutes, nous sommes même côté. Je vais traverser la mélodie. Tu as dit, pour qui ça? Carrière musicale, là, on a toujours mis sous côté. Excusez-moi la question que je recevais. Comment vous avez-vous ça? Alors... Je vais tout ça notamment. Oui,
n'a pas venu, oui. Même si tu as dit, je suis un monde qui est timide en pile. Je suis un monde qui est timide en pile, en effet. Même si tu monde qui. Pas si tu es mais dans le shine. Vous comprenez? Ça, c'est un vrai métier private sim. Et l'homme qui a commencé à courir, j'ai réfléchi à ça. Mais le m'a regardé, je m'a regardé, je me dis non. Non, non, à faire chaque week-end, ou pas en la caillou, je voulais être une mère de famille aussi. Il y a deux belles petites que m'adorer, c'est dans le film, il faut que je mette maman. Donc peut-être que comme il y a un grand coup, je suis capable de prendre une orientation qui est un petit différent, même si ce n'est pas chaque week-end, non. Je n'ai pas la manager. mais non, je connais, ça sont de plus en plus, alors même avant. Et en vant que Mira traversé, tu as commencé à faire conversation. Où ça m'a avec conversation ça, tu as pensé que me parler avec les majalien, mais bien on da connaît. C'est là ce pas connaît, c'est le truc, moi vient apprendre tout, faire confiance à intuition, il prend son temps, on dit ah, si me dit ça, mon pas le penser. Et en plus là nous regarder à soir, il doit dire "Ouah, on pas veut dire ça, mais ça nous gue pour dire faut deal parce que ça nous gue pour dire pas même pour nous encore, faut deal." Et c'est moment ça qui a passé avec les majalien parce que c'est tellement chaleureux et puis me senti que ce comme ce bagage nous parler hier alors que m'pa vinn là depuis combien d'années nous pas parler souvent on m'a pensé que non pas du tout et bagage vinn naturellement et c'est comme ça à travers conversation comme ça que des messages vini tout le temps et messages c'est des messages qui pour aider nous évoluer et nous pas capter moment ça yo Mélodie faut aller musique là oui 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 m'te un petit travail pour m'te faire avant n'a traversé à Roseline éducation Mika jeune qui a grandi nous parler depuis là une de éducation Mika Mika grandi plus ou moins qu'il a devine que livre un artiste parce que d'habitude ou parents haïtien l'autre du artiste c'est non ben non tout va ça surtout que ou le domaine que monsieur que pile monde voyait petit devine wow que ça si ça vous voulez parce que pile parents dit bon moi petit monde fait travail bon voyer Roseline parce que tête pas droit Mika pas être devant à quel âge plus ou moins il vient d'où son artiste et comment dit ça et comment on prend. Alors, avant que je ne sois Mika, je me dis que j'ai des parents de artistes qui étaient venus à moi. Et puis, j'étais très mal tombé parce que je me fais quitter petit bébé ou la paix, quitter Timoun ou faire musique. Donc, ça, c'est que je connais m'aider quelques artistes. Il y a beaucoup de têtes sur le ça. Ok. Mais Mika, et au fait, moi, je connais Mika, Mika a toujours Timoun spécial. Parce que très ouvert, très, oh là là, très sympathique, ouais. Et professeur que tu as dans kindergarten, Peter Pan, tu as dit ça que tu as des talents musicaux. Mais nous toujours fait ça, nous capables, nous voyons, prendre le son musique, nous flûte, piano, nous t'aimons, ouais, tiga. Et puis tiga dit, pas jamais, bah, tu m'as le son, parce qu'ils ont un talent naturel. Donc, nous pas jamais te prendre. Talent Mika au sérieux, vraiment pas. Même quand tout le monde qui peut se faire plaisir, pas de distraction. Oui, plaisir avec papa. Mais elle était toujours dit, moi, je voulais faire musique quand papa, mais from so business, m'a fait business administration. Ah oui, oui. L'intime. Il faut comprendre ça, la musique. Non, elle a fait musique pour amuser, mais business administration. Donc, je toujours connais ça. Mais femme dit que maman et Jean-Paul, et maman, et Marine, et Mélodie, ils ont toujours fait musique avec Olivier, et Olivier Durette. Est-ce que, donc, ils ont fait musique ensemble. Même ils ont toujours connu, mais quand même, la musique. Jusqu'à ce qu'ils ont joué, ils ont 16 ans. 15-16 ans. Et puis, ils viennent jouer nous 11h du soir, dans la chambre. Ils disent, maman, papa, guitare, ils disent, moi, composer aux musiques. En anglais. Ils disent, mais c'est côté. Et puis moi-même, je dis, mon Dieu, mais c'est extraordinaire. Je dis, maman, sans qu'il n'y ait pas qu'une barrière, parce que je compose aux musiques. Je dis, mais vous comprenez que c'est chaque parent qui donne Timoun à 11h du soir, qui vient composer aux musiques, qu'elle t'a préparé peut-être en une heure de temps. Timoun a dit que tu parles. Mais et c'est comme ça que nous comprenons que Mika a un talent musical. Mais Mika est parti au Canada pour la faire business administration. Oui! Là, il fait réto, il n'a pas fait filo. Là. Il faut la jeune frère là. Ça. Non, non, parce que Mika, s'ils ont parti, parce qu'il y a 15 mois de différence. 15 encore? Eh? Oh, wow! Ok, 15. Stop, tu veux prendre une minute? Oui. Est-ce que vous pouvez réaliser ça? Non, non. 15. Je veux le chaque. We hold hands. C'est qu'on a réalisé ça? Ouais, ouais, 15 mois de différence. Chiffre ça, son chiffre spécial. Ok. Ok. Wow. That's deep, oui. Pas mal. Toujours à dire, je vais dire.
Ou planifier 15 mois pour faire Timounio. Ah bon, alors la vie a planifié. Lionel, on peut commencer sur. Regardez, Lionel, regardez, regardez, regardez. La vie avec L majuscule. Alors, Timounio parti en premier, mais le parti en deuxième, il faut le faire philo. Il a gagné 2 ans, vous le faites les mêmes. Non, Détine, elle n'est pas vive que son frère, l'acteur. Elle est obligée, obligée. Il transporte Mika au Canada pour faire business administration. Et puis c'est là que lui composait la musique de Noël. Noël Tristesse. Okay? Et c'est là ça que lui réalisait que tu as besoin de carrière musicale. Et puis il dit qu'il ne peut pas continuer étudiant. Comment pour ça, Lionel? Ma chère, Pando, nous prenons ça bien parce que moi-même, je me dis que je vais faire la musique, je me dis que je vais faire ça. Pour ton papier, je vais faire un diplôme, je vais faire ça, je vais faire ça. Et puis c'est ça me fait. Pour ton diplôme, je vais faire ça. Même si je fais la musique ensemble, parce que papa me donne un musicien. Donc nous faisons ça ensemble, dans la famille, nous faisons la musique. Et puis nous disons, monsieur, est-ce que c'est ce que je vais faire? Il dit oui. Nous disons, est-ce que c'est ce que je vais faire? Tout le monde connaît l'histoire de Mika, toute la musique qu'il fait. D'ailleurs, il y a un fou chez Mika en pile. Il n'y a pas de sauver. Il n'y a pas de compas, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Mais Mika est un artiste original parce qu'il a besoin de faire leur boîte. Et c'est ça la société nous fait en pile. Nous devons toujours mettre un tag sur le monde. Je veux dire, il est mambo, il est tout bagage. Alors que, il n'y a pas pour rien, juste pour accepter. Pour qui ça, d'après vous, Mika est changé juste avant, sous. Quand il y a évangélique. Et papa, j'en dis à Mika, son monde qui a gagné plusieurs facettes. Et ça, c'est mon papa qui a encouragé nous à comprendre que l'artiste n'a pas de limite. Après, ça dit que l'artiste, créativité, au talent, ce n'est pas ou même qui vient avec, c'est baou ou baou. Pourquoi la caméra dit ça? Parce qu'un pilotiste qui a pourtant de ça. Oui, donc. Parce qu'un pilotiste, vous recevez un talent, vous utilisez le pour manger. Un pilotiste, vous avez un talent, vous pouvez réaliser son messager. Oui. C'est pas pour rien que vous avez un talent, c'est ça qui fait un pile de pas faire outil, vous voyez comment c'est vin off. Ou bien vous pas jouer guitare encore parce que vous avez un talent, ça c'est pour changer la vie. Continue. Oui, donc je me dis, artiste là, il n'est pas limité parce que ce n'est pas d'avoir l'école pour apprendre comptable. C'est un don que bon Dieu baou. Donc si bon Dieu baou capacité pour faire différents styles de musique, faire différents styles de musique. Et c'est une force mica que vous avez. Pensez qu'il était faiblesse, lui, mais en réalité, c'est force, c'est le fait que monsieur était versatile. Versatile. Et ça qui fait que nous sommes sortis, tout le monde sait pour tout de suite après traverser monsieur, c'est parce que monsieur, à plusieurs reprises, t'a dit si lui, on n'a pas besoin qu'on ait, et, oui, parce que nous avons des albums qui prêtent déjà, nous avons plusieurs musiques qui prêtent, qui parlent sortir en 2025. Et monsieur dit quelque chose à lié à forme, dit merci. Et c'est justement dans même sens ça que c'est bon Dieu qui bon talent, il faut que moi dis monsieur merci pour talent que le bon moi. Et on voit que moi sorti quelque chose à l'autre projet, c'est musique ça qui pour sortir. Donc c'est ça qui raison. Et moi pas dit que Mika t'a traversé dans carrière évangélique parce que j'en ai dit à talent que le gagne pas t'a pas confiné à ça, pas vrai. Mais en effet, monsieur gagne des musiques qui étaient à caractère évangélique que tu commences à faire. J'ai gagné 3 ou 4 musiques qui étaient en préparation, gagné là donc n'a pas réussi fini, pas vrai. Nous qui pour jeter musique ça en concert la Lidim c'est Jay Perry. OK. M'a fait message là passer. La fait. Mm-hmm. Jay Perry compte ça tout. Mm-hmm. Très bien. Donc donc c'est ça, ça veut dire que et mes textes jusqu'à présent que tu me dis si on pas besoin qu'on ait de album de whatever, my next single c'est tout moi c'est pour faut que moi publiquement dis merci. Et je n'ai pas fait ni deux ni trois. Le 6 novembre, nous avons fait une célébration pour monsieur aux États-Unis. C'est musique ça, c'est ce jour ça que nous avons fait monsieur chanter. Parce que nous avons voir monsieur dans le recording. Donc so, nous faisons monsieur chanter musique là comme la grande première pour le monde entier. Tout le monde, c'est pour vous. Yeah. Et même là encore dans la musique ça, monsieur non seulement by l'homme ou by créateur, mais monsieur. Comme d'habitude, et une phrase, je le dis dans la musique là, pas vrai? Moi, j'ai un rêve, papa, et il me vient une belle, papa. Donc vraiment, l'homme. Je vous dis encore. Moi, j'ai un rêve, papa, et il me vient une belle, papa. Encore. Moi, j'ai un rêve, papa, et il me vient une belle, papa.
Donc, à travers legacy, monsieur, à travers musique, monsieur, à travers Tissouf, c'est vers ça que nous avons dirigé. C'est 5 ans encore, il y a 20 concerts là, le monde a porté. Il y a un rêve, papa, pour tout le slogan, la bouche tout le monde. Ok, Roselyne, l'heure qui m'a dit, où elle a parlé de l'évangélique Kounia, est-ce que vous êtes surpris ou bien vous êtes quitté libre? Est-ce que vous pas de jambes, vous avez impression ou bien est-ce que vous avez même impression de direction de parler parce que ou je l'en compare ou je l'en reggae qu'on y a l'évangélique est-ce que ou même qui c'est maire et puis psychologue ou t'es d'accord avec décision yo oui même c'est au monde mais pas jamais essayer d'influencer petit moi ouais et moi pense que moi j'ai une chance moi trouver mon privilège que je suis psychologue m'apprendre en pile bagaille et si gagne un conseil que me cap ba parents ça prend qu'on est petit tout qui donc le gagne et puis qui t'elle aller encadrer lui pour capable réaliser moun que le vienne sous terre pour lui avec tout talent ouais donc moi pas du tout là moi là que me dit que je veux faire musique me dit mais OK n'a pas de problème seul bagaille c'est parce que me connaît que s'il y ont était avec que me quitté le fait move ça parce que imaginez deux parents qui cap recevoir un message ou qui me parle dans business administration encore pour aller faire musique moi connais milieu ça très dangereux même connais depuis le temps photo mit en ça à côté pas du tout gagner aucune préoccupation mais faut me dire que Mikali pas beaucoup de papa tout Mikali Lionel sont versatile Lionel fait toute qualité musique tout et Lionel fait en pile musique évangélique et oui. Ah, bien sûr, pas comme ça. Non. Oh là là. Comment il lui a fait la musique Noël? Non, il a un CD de musique. Et moi, je pense que Mika, c'est un monde qui était très indépendant dans le choix. Li. Mais il était vraiment laissé influencer par tout ça que papa a fait de bien et puis que lui a pris un modèle sous lui. Donc, je pense que c'est là tout que lui a gagné. Bon, je ne sais pas si je me demande ça. Même songer que l'autre t'a préparé. Et CD, ça m'a passé au séjour avec elle. Et tu n'aimes pas quand elle t'a habité. Et puis, elle t'a cherché un cœur. Elle dit, mais ce n'est pas n'importe qui monde. Mais musique, ça a vraiment. Elle t'a pris une application pour te faire, qui est extraordinaire. Donc, c'est ça que moi t'a dit de l'expérience avec Mika. Merci. Merci avant tout que nous partagions tout mon personnel avec moi. Et puis, Manatikyo, parce que. Un bagage que je viens d'apprendre de Haïti, c'est que je ne connais pas avant, c'est que Jean Moun était solidaire à l'époque, ça, le Mika tombe, je regarde tout le pays. Je vais trouver Tidjo, Tidjo dit comme ça, l'amour Mika fait Moun respecter Artiste Plus, apprécier Artiste Plus. Je dis, il faut photo avant, on va voir où il va pour aller. Et même personnellement, bien que je n'ai pas le temps pour me tourner à Haïti, pendant l'époque, ça, je me suis dit, des milliers de jeunes à travers le pays, tu as une carrefour qui peut payer Mika. Il n'y a pas de monde. Je vous en dis merci. Nous comptons sa fête, mais nous oublions vite. Nous, dans le pays, nous oublions vite. Et le message que nous voulons porter, c'est que Mika a toujours voulu ça. Toujours voulu faire l'amour. Ce n'est pas l'heure qui est arrivée, puis après deux jours, nous tournons à la normale. Parce que la normale n'a pas existé encore. Jean-Louis l'a même toujours dit. Il faut nous connaître ce qui est passé, ce qui est passé. Vive avec l'amour chaque jour. Et c'est comme ça que nous traversons sous mélodie. Est-ce que vous partagez avec nous, dernière fois, une visite? Alors, je ne connais pas. Alors, moi, j'ai un souvenir. Il y a un bête qui vient et c'est lui qui est venu. Un bête? Il y a un bête qui vient visiter et vous ne réalisez pas que c'est lui qui paraît sous vous. Ok, il faut me réfléchir sur ça. C'est pas coquette. Les gens ne réalisent pas. On est là avec nous comme ça. Mais ça, mais pourquoi c'est là? Les gens viennent, vous voyez à travers chiffres, ou appel passé, ou musique passée. Et puis nous, je pense que c'est le bail comme ça. Tendo. D'accord, oui. Après traverser Mika. Ok, il y a deux chiens qui sortent de moi par contre qui côté qui just vini là et yo pas j'aime vle aller encore. Merci beaucoup. Ok, on a répondu à la question. Elle s'appelle Coquette. Son chien pays qui vit qui là. Bon le me prend alors on comprend. Poser une question ça c'est toi question par hasard. Parce que moi au commencement je dis qui bête. Ok, on a dit. Mais elle est Pétionville. Elle tourne là. Dès matin 7h du matin elle est tourne là. J'ai habité là combien? Oui. Pas mal de chaleur, non? Non, jamais. C'est le bagage, il faut qu'il accepte pour qu'il y ait pour qu'il y ait. C'est le bagage, maman. Je suis juste venu de l'habiter là. Je suis juste venu de l'habiter là. Vous pensez que cette question, ça, c'est pour ça que vous posez? Bon, je suppose qu'on a toujours une bonne question. Même si on saute de l'autre côté. Non, même, on connaît que les chiens sont chiens qui sont spéciales. Parce que ça n'a pas jamais privé, nous.
pas la Tilionel pas trop longtemps de pendant pas la Tilionel qui c'est rare parce que Tilionel pas répond téléphone. So mais Tilionel qui côté son amour qui était en accouché, pas un problème, mais gars même de Lionel jamais peur. Nous parler de amour là qui ça me catrer me faire avoir de l'avoir deux avoir parce que nous t'ai parlé dans dernière interview que juste avant voyager, il ne faut pas qu'il y ait temps à parler de extraterrestres, pas qu'il y ait bagages, pas comprendre pour qui ça. Est-ce que vous voulez partager un moment, qui conversation, et pour qui ça, comment conversation est tombée? Mon cher, nous ne sautons pas, nous avons entré à Miami, que nous n'avons pas un avion pour aller en France. Nous faisons toute route là, à parler de la 5e dimension, le monde là qui parle en 4e dimension, de la 5e dimension. La bombe, et puis, tant que tu vois des bas, je dis, papa, regarde ça, attendez ça, sur WhatsApp, attendez pas ça, attendez ça. Mais nous, tu toujours parlé de scoop volant, de l'extraterrestre de la ville, de l'autre côté, que vous venez ici déjà, que vous venez sous terre déjà. Que... Nous, tu toujours parlé de bas, je suis passionné par ça, tout, même avec moi. Alors, c'est moi qui mettais monsieur dans bas, ça, je me dis, moi, je me tout le temps parlé, monsieur, de bas, parce que je suis là, je suis là, je ne suis pas là, comme si par hasard, non. Je suis là, parce que, logiquement, dis moi, que les mêmes gars de terre dans voilà sur Google là regardez il y a pas l'eau de regardez des gros étoiles qui gagnent l'air tu as pas même grosseur un électron ça du combat en tête moi qui vaste qui est le multivers mais ça qui est plus intéressant c'est que toute base sur son grand côté alors femme du bagage qui est intéressant c'est que le Mika traversé Lionel dit mes amis il réussit les réponses à toutes ces questions. Parce que c'est au monde qui t'a posé tes questions sur tout bagaille. Il était arrivé au moment dans la ville que tu as remettre tout bagaille en question. Ou une vidéo que tu as fait, entrevue avec Cédjoa, que ce conversation que je n'ai pas fait, je n'ai pas joué sur les réseaux sociaux. Et il y a une question qui est pour vous, parce que une émission fait où Chita à côté Lova. Et Lova parle de une artiste, une étoile va briller. Va tomber subitement. Ou Chita, ou pas penser une fois que c'est de Mika la parler. Jamais. Absolument pas. Pour son mission, la parler de ou Otis. Otis. Ben, d'accord, quoi que c'était, monsieur. Et les mêmes tout d'après ça, le dit, il n'y a pas de connaître. Il n'y a pas de connaître Mika. Mais il y a un rituel. Mais pour ça, c'est où il dit ça? Pas la mission, il fait avec plusieurs mounes. Il a choisi le moment pour le dire. Peut-être. Parce que, faut me dire que Lova avec moi, nous avons fait une émission chaque année, monsieur devine une émission avec moi pour le bas prophétie pour l'année. Donc, ses camarades, c'est dit ça là, ses amis, mais nous parlons souvent qu'on n'aime pas tellement que nous voulons, mais qu'on aime M. Miami, je suis débrouillé là, c'est bien. Mais il respectait moi pile, il respectait M. Pile tout. Et il était venu en foi, nous fait presque trois heures de temps à parler en bas, puis il m'a dit voilà, nous parlons dans pile, en pile, en pile, en pile, en pile, en pile, bagaille. Donc, il y a un bail que le dit, moi, bon, bien sûr, que le bail que le dit. Donc, côté mettant ça dans le petit poseau, moi, il dit, pas bien, non, me dit tel bail. Regardez pour eux. Et puis, quand il y a un bail, c'est vraiment qui arrive. Donc, monsieur, son monde qui est dans tout, extraordinaire tout. Il y a un monde qui croit que c'est pas vrai parce que monsieur dit que c'est trompe et puis c'est pas trompe après ça, il y a une présidente, etc. Et monsieur t'expliquer un peu pour ça. Monsieur dit qu'on a une prédiction qui fait. Et puis, la mi-temps, il y a un monde qui prend un coup et puis il va arriver. Donc, mais moi, je ne pas réfléchir à ça, on sait qu'on est haïtien, mais il y a plus vite. Vous connaissez que? Nous, ouais, route là, supposé à tel côté, mais pendant route là, il y a l'autre énergie qui a bloqué, qui a besoin de dévier. Oui. Et oui, l'autre énergie a dévié. Il faut nous admettre. Oui, absolument. Mais, quand vous voulez que vous parlez, l'autre énergie, à un moment, la pauvre, j'ai tourné dans la place. Là. Mais même moi, déjà, je voulais vivre, moi. Même je voulais vivre Haïti, je voulais vivre. Donc, après, là, mon Mika me dit, bon, qu'on va faire, Mika te dit, il voulait connu à travers le monde. Mika te dit, il a besoin de créer une famille. Mais même, m'a dit, je voulais vivre, pour moi, que Haïti, ça, que nous, tout a prévu. Et c'est comme ça que je vais finir sous thème l'amour, sous thème la paix. J'ai la famille Benjamin Affel et son privilège pour moi pour venir à la caillou pour nous faire une mission sous Tichèze Bassa. Dernier mot, Mikala, il est avec nous pendant toute l'émission de Chita. Je regarde Mikala, est-ce que vous avez un message pour lui? Merci. Moi, je l'aime. Moi, je l'aime comme ça, oui. C'est ma vie, moi, je l'aime. Pas besoin de tout, ça va commencer à finir. Attends, j'ai une question à demander à Huguette. Pourquoi tu as dit ça a commencé à finir? Tu as voulu dire ça à Mika? Parce que c'est ça que je t'ai dit. Tu veux dire? Même si ce n'est pas fini, on dit, c'est bon? Non, tu blagues, oui. Hein? J'ai dit, c'est pas programme, c'est sorti. Quand tu as dit ça, je me suis dit, mais c'est ça que j'aurais dû lui dire. Pourquoi, madame, déjà, mais pour moi, c'était bon. Ouais.
Oh my God. So moi dit moi dit pour te ca dit. Ouais, ouais. OK. OK. Pardon, vas-y. Mika, ça commence, on m'a fini. N'a fini. N'a fini.